Salut à tous, c'est Kevin 130 en compagnie de Hank Evans, aka Benoît, Merci. aka Chris, Aka aka moi. Moi, lui. Pardon. Enfin voilà. Bonjour. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Resident Evil 6, en espérant que le chapitre 2 finisse bientôt, parce que le JPP de la Russie, déjà. Pour moi, oui, c'est... Des humains ? Je détecte des signes de vie. Ils sont comme dans des cocons. Ada, voilà. La pute, Ada, montre-moi ta chute. Président. Oh oui, des balles. Soit désolé qu'il y ait des coupures tout le temps. Je détecte soit quelque désolé chose de qu'il côté. Soit long si j'ai la flemme de faire des montages. Merci. Venez avec moi. Les mais autres, il s'avère que QG, le président nous était nous un peu éloignons de la rage nous avons et de la frustration. Kev ici. Oui, ah putain, mais bah, c'est sans dé... Mais ouais, c'était immonde. Hein. T'es laborieux. Oh non, je suis en dessous, il y a le truc du serpent. Ainsi que des photos, ma foi. Mais t'es où là? Ah putain, d'accord. Wow. Putain, mais what? Et voilà, ça méritait 3 balles. C'était juste pour ça. Ça sert à rien, c'était juste pour en cacher un, ouais. Oh putain. Il y a un des trucs de cire là qui m'a fait trop flipper, putain. Enfin, on sait pas ce que c'est, mais en tout cas, ils ont tous la cicatrice sur le dos, comme quoi ils vont évoluer. Ouais, c'est vrai. On se croirait presque dans le manoir. Des R1. Ouais. Qu'on a fait sur les 4 Dead qui était génial d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. C'est ça. Oh! Bah tiens! Quelle surprise! Mais non, ça ok, c'était une surprise. Mais Ada, ça en était pas une. Ah, t'as vu Ada? Oui, on la voyait regarder en coin, mais Ada move. Ah, d'accord. C'est à n'y rien comprendre. Ouais. Putain, des balles, ça fait du bien, parce que j'en avais plus. Oh, des munitions partout sur les étagères, voilà. Enfin, partout. Relatif, mais il y en a quoi. Il y en avait même à côté de la radio, si jamais. Même dans les urinoirs. Eh hey, mais stop avec les grenades quoi. Et je pouvais pas. Et je pouvais pas le. Je pouvais pas. Qu'est-ce que c'est que ce couloir? Ça m'a l'air bien vide. J'y vais. Allez. Ok, c'est... vous allez carrément vous réveiller maintenant les gars, c'est bon on a compris. Pardon? L'un d'eux est en train d'éclore! C'est énorme! Prévenez le QG! Viens-tu! Non, attends. Mais c'est quoi ce délire? What the fuck? Ah, il a pris de peau! C'est pour ça les grenades, je pense. Oh! J'ai un petit peu la coupe dans le cul là. On dirait des nouvelles. 1500 points. C'est stylé. Dépenser des points d'habilité pour obtenir des habilités. J'adore ça. C'est comme si on disait dans un jeu, dépenser des points d'expérience pour débloquer de l'expérience. Quoi? D'accord. Je vois. Non, il n'avait pas fini son animation. Merde, j'ai raté ma grotte. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a, oui. Il y en a un autre, je regarde pas. Je m'en occupe. Ok, on va s'occuper de celui-là. 500 points. Ah. J'avoue que c'est quand même la campagne du phare, le niveau XP. Putain, c'est déconné, hein, mon gars. Quand tu regardes, on a pu s'acheter les améliorations niveau 2. Arme biologique cernée. De la map d'avant, quoi. Enfin, de la campagne d'avant. Mais reste ah ouais, moi j'espère bien m'acheter le niveau 3 hein, de Kevlar. Ouais. C'est ça que la 803 avec par les max, ça sent bien, tu vois. Mais est-ce que t'as vu? Oh, ok, c'est 4, c'est bon, on a compris. Ah, c'était mignon ça, on aurait dit des chewing-gums. Mais c'est des chewing-gums explosifs, c'est super! Je l'adore! J'en veux un. Je sais plus c'est dans quel film j'avais vu, genre le mec les masquait, puis. Ah non, c'est dans Metal Gear Solid. Et après, il en fait un papillon, je sais pas quoi.
Ah bon? Ouais, puis ça explose quoi. Attends, excuse-moi parce que du coup, tu es viré. Oh, fight. Ton rôle de méchant n'est pas convaincant. Le fusil à pompe quand même dans le jeu, c'est l'amour, hein. C'est... Oh, oh, oh. C'est pas dégueu. Attends, ici peut-être? Oui, ah, une boîte. Attends, non, ok. Tu vas rater 50 points et une herbe rouge. Ah, oh, mais on peut pas fusionner deux herbes rouges, quoi. Help me. Help. Kevlar, que fais-tu? Je vais combiner des herbes pour faire un super spliff. Je me fais un blunt. Bon travail. C'est bon. Beau travail. C'est un joint de qualité, c'est un soldat. Maintenant, fais-tu tourner au trou. Mais attends, on était devant la porte et c'est Finn qui... Pourquoi il nous attend? Et c'est ici qu'il se transforme. Adios, amigo. C'est ici que Finn meurt. Oh, plein de seringues par terre. Oh. C'est les seringues de transformation. Capitaine. C'est les seringues pour donner déjà vos... Goûte-le. C'est comme ça que l'appellent les guerriers rousses. Contente de voir arriver la cavalerie. Qui êtes-vous? Je travaille ici. Je m'appelle Ada Wong. On me retenait en otage. Mythos. C'est ce qui doit créer ces Javo. Oui, je les ai entendus dire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous avez entendu d'autre? N'importe quoi. Peut-être pourriez-vous commencer par laisser des armes. Donnez-nous une bonne raison de le faire. Oh. Non. Elle écarte sa robe, tu vois. C'est ça quoi. Neo Umbrella. Neo Umbrella. C'est eux qui soutiennent les guerriers. Officiellement, ils se présentent comme une organisation. Pourquoi elle nous dit ça à nous? Parce que techniquement, on est des soldats de base quoi. Ouais. D'accord. C'est ce que je veux dire. Merci d'avoir. On est BSA quoi. Je sais pas, c'est pas exactement ce que c'est notre domaine. Oui, mais enfin, je veux dire, on pourrait très bien être Rofion qui a mon casque, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on pourrait très bien être Finn. C'est compris. Déjà, elle se remet, elle fait erreur, tu vois. Hein? Vous n'êtes pas très loquace? Bon, j'ai essayé de vous faire. De trouver votre intérêt. Neo Umbrella. Et là, on lui répond, on fait des trucs genre. Drush Bird Jesterer. Ah, donc vous n'êtes pas américain. Drush Bird Sukabler. Maman, bro. Moi, j'étais une grenade, de toute façon, je vais en avoir 30. Je vais en avoir 30. Mais écoutez, les munitions de fusil, superflu. Pistolet, superflu, garde fusil à pompe et grenade. Grenade, grenade. On jure que par les grenades. Non mais écoute, j'ai encore 10 grenades, je pourrais bien en jeter une. Hein. Kevlar, t'arrêtes ton let's play pervers, s'il te plaît. Let's play pervers. Je t'ai tellement cramé, c'est pour ça que tu t'es mis plus loin. C'est pour mater, c'est ça? Non, pas c'est ça. Non. C'est une forme généreuse. C'est pas la même, attention. Il y a une sortie au premier étage. Je pense qu'on devrait l'utiliser. Il y a quand même l'air con sur notre armure. Hein. Je pense que tu devrais fermer ta gueule. Je pense que t'as pas beaucoup d'avis à nous donner parce qu'il y a énormément d'XP à se faire en fait. Mec! Lorsqu'il fait tous, on en a pour au moins 7000 XP. Au bas mot. Est-ce qu'il meurt au moins? On va voir. Ouais. Non! Il est trop con! Putain, je suis dégoûté quoi. Kev, j'ai envie de mourir. S'il te plaît, on peut mourir. Kev, s'il te plaît quoi. Vas-y. Oh, le dégoût. Ta gueule. Oh, pour ceux qui n'auraient pas compris. Il a voulu lancer une grenade, il a utilisé son spray de soin. Il l'a stressé, il a voulu refaire pareil, il lance une grenade, il a réutilisé un deuxième spray.
T'as tellement compris ce qui s'est passé, quoi. Oh putain, merde. Et au fait, t'as pas besoin de l'herbe verte ici. J'ai mal à ventre. Attends, oui. Gauche, l'herbe verte, chiffres. Attends, j'allais voir. Ici. Ouais, y en a... J'ai déjà pris ou pas? Ah, coucou. Oh putain, non, le bon. Dégoût, quoi. C'est vraiment le... NON. Et juste après... NON. Merde, c'est pas beau. Le mec qui s'en... Il fait l'erreur deux fois, il s'en veut trop. Il continue quand même. C'est vrai que ça ressemble à une grenade, écoute, pour ta défense, j'ai envie de dire, mais voilà. Mais c'est... Mais c'est... Mais non, mais c'est la TH, t'es trop mal fait, hein. J'étais persuadé que... Enfin, c'est trop bizarre. Oh le bâtard. De toute façon, le cave est à gauche. Merci. T'es sûr qu'il est mort ? Je vais tomber là. Hop, voilà. Là, c'est ils sont vraiment dégueulasse. Ça me gratte un peu là. Oh, il rush. Et oh putain. C'est quoi, il ça m'a asséné un de ses coups. Faut que tu viennes me sauver vite, mon gars. Ça ira mieux. Alors, 1500, 3000, 6000. Ah. Ah, j'ai plus de balles. C'est 1500. Worse ou pas worse? Moi je dis worse. Ça va coûter quand même beaucoup de balles. T'as ouais, toute ta santé toi? Pour de l'XP, ça ferait tout. T'as toute ouais, ta santé? Il me manque un point. Ouais, parce que moi j'étais... Ok. J'avais pas commencé à utiliser 10 pilules pour ça, quoi. Putain. Waouh, fallait être fast avec. Vos amis ont des difficultés. Madame, laissez-nous faire notre travail. On aurait peut-être dû garder des balles pour cela. Oh, c'est d'autres, ça oh. C'est des lézards. What the fuck? Des reptiliens. Ils sont là. Je le savais. C'est des dragons. Ah, ils sont. Ils se passent. Ils ont des spasmes. Tu ne craches pas du faire bouger à la gueule. Mais arrêtez de me cracher dessus. Ah, 1000 points d'habileté. Ah, par contre, je vais me retrouver à battre au couteau, hein. Mais vraiment. 1000 points. Et putain, on se fait masser, s'il te plaît. Ils ont tous été éliminés. Ça se passe plutôt bien, non, couteau. Je suis en train de l'éviscérer cette comme un poisson. Cette porte mène à l'entrepôt voisin. C'est vraiment ça. Par là. Bonne comme à la pêche. Ok, bon, je vais recharger. Oh, les chewing-gum. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il donnera un coup d'épaule comme... dedans, ça serait exactement pareil au niveau effet, quoi. Mais surtout que des portes comme ça, on les pète depuis le début du jeu, quoi. Putain. On n'ose pas lui dire à ce pauvre gosse. Il aime bien les explosifs, il en a plein. Il y a une marque en gurneau avec les la DCR, on a 15 grenades, mais non, il faut qu'il pose son chewing-gum. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est à nouveau les reptiles. Il y a un petit lien. Ce vieux bruit qu'ils font. Ouais, c'est toujours dans la thématique du chewing-gum, hein. Ah, oh ouais. Shit, on a... La bonne grenade. Regarde. J'ai plus de grenade en aussi, un peu son visage, en fait. Oh, bah il est mort hyper vite. Bah ouais, il me semble.
Peut-être parce que les autres nous ont aidés, du coup. Par contre, petite question, ils en ont pas marre de drop des points d'habilité? Parce que j'aimerais bien des balles en fait. Genre vraiment. J'avoue. Ah. Oh, t'en viens la truite. Attends, là c'est de la triche. Je crois qu'il est mort là. Ok, peut-être pas. C'est une autre truite. Oh, c'est quoi ça? Il t'a défoncé là. Mais j'ai perdu tous mes points de vie, mais comment? Eh hey, merde. Il va infliger la flèche, chier. Ils explosent ou quoi, ou comment ça se passe? Non, même pas, c'est juste qu'il y en a un qui t'a chopé en mode YOLO et je pense qu'il t'a dit. Mais je l'ai pas vu moi, je me suis pas fait choper, fais pas. Je sais pas, il y a un mec derrière toi en tout cas. Donc, j'essaie de le tuer. C'est chaud. On a des balles par ici, non, en escalier. Donc, niveau balles, on a pas eu droppé depuis quelques temps. Hein, en fait. Putain, mais moi j'en ai 20 là de flingues. Ok. J'ai la compétence pour en avoir plus de mitraillettes. Et là, il y a pas de limite qui s'en trouve derrière là. Mais il a disparu. Oui, chef. Comment c'est disparu? Quoi? Il y a un gros devant, derrière, je sais pas d'où on vient, où on va en fait. C'est quoi le plus. Non, c'est derrière nous, ça. Là. Oh, je participe pas au combat parce que je cherche des balles, mais enfin, c'est pas évident. Attends, grenade. Oh oh oh. Mec, il one shot avec le barrette. Ok, ben tu sauras à l'avenir que barrette quoi. Attends, toi. Mais à mon avis, ton arme a des points de dégâts de malade. Hein. Je pense qu'elle one shot à peu près tout. Hein. Non, j'ai one shot ça, déjà. J'ai un corps. Hey. Non, apparemment. Hey. Hey. Allez, vite. Allez, vite. Hey, guys. Il a un accent belge pendant un instant. Ah ouais, il a un petit accent, ouais. Et c'est vraiment la voix de Jason Statham. Tu regardes le transporteur, c'est cette voix-là. Par ici. Hey. Attends, j'ai du loot à récupérer, moi. Par ici. T'as cru quoi, mec? De toute façon, c'est quand même Flynn qui ouvrait la porte. Ah non! Ah c'est la cinématique qui vous la porte. Oh ouais, ok. Ah! C'est maintenant que vous allez tous mourir! Je comprends pas! Elle était là il y a une seconde! Hey, ciao! Et là, on est séparés, et là, ils vont se faire tous injecter des trucs. Et ouais, j'ai foutu les gars. Pardon. C'est une femme fatale. Merci pour l'escorte. Voici un petit cadeau pour vous souvenir de moi. Oh la pute. Une grenade à gaz. Oh putain. Oh les enculés. Je sais pas si ça existe vraiment ou pas, mais j'ai déjà vu une sorte ça dans un film ou quoi. Une grenade à clous. Même pas ça, tu vois. C'est une grenade à fragmentation, finalement, c'est ça, quoi. Oui, mais la fragmentation, on comprend, c'est des morceaux de métaux qui sont éclatés, etc., tu vois. Mais une grenade à clou, je trouve ça vraiment hardcore, tu vois. Ouais. Finn ! Finn ! T'es plein de croûtes. Oh, putain. Pardon. Je vais contrer par rire des morts. Oh non, il se transforme en plus. Indirect. En quoi là? Ça ressemble à rien. T'as vu que c'est fine à mon avis. Ah, c'est gros. Et pourquoi ça s'ouvre d'un coup là? On va pas aller combattre, hein. Moi j'ai plus les munitions perso. Ah ok, c'est là que je perds mémoire. Oh chaud! Putain! Ah ouais, ah, okay. Il y a le coup sur la tête. Et du coup, comment ça se passe?
C'est moi qui te sauve. Ouais, tu vois ça. En disant je suis une tarama, mais non, je te sauve, hein. Je te sors de Russie, je te ramène jusque non, les États-Unis à pied. Moi, je m'en fous, je te traîne jusque là-bas. Hein. J'aime bien parce qu'il me fait un peu penser au perso que t'as dans les premiers Resident Evil où, où t'es tout le temps énervé, tout le temps nerveux et tout, tu vois. Ouais. Putain, et ce bâtard a le rang S. Alors que putain, mais je fais 134 kills et pas toi, putain. Oh putain, le rang S. Deuxième fois, mon dieu, amazing, amazing. Regardez-moi ça, regardez la précision, regardez. La précision, quoi. Nombre de morts, bon, le nombre de morts, c'est pas grave, mais c'est quand même un chiffre plus haut que le sien, c'est mieux. Oh là là. Précision rang A, rang C, ah ouais, du coup, ça change beaucoup à mon avis de Nick à ce niveau-là, du coup. Ouais, ouais, je pense que c'est ça qui m'a... Putain, le rang S, de suite, quoi. Ça, je l'ai pas fait. Boum. Oh là là. Si je m'attendais à ça, franchement, double platiné cette saison. Tu as un ennemi en enchaînant, toi tu l'as pas. Ah là là, double platiné cette saison. Avançons. Aider un partenaire, tu vois, tu peux pas aider, moi je t'ai aidé. Mais si je t'ai aidé. Ah non, il est pas marqué que tu veux aider, t'as pas eu une médaille toi. Eh oui. Ouais, en même temps, toi tu t'es fait one shot. Bon allez. Allez, suivant, on va voir les habilités. Combien on a récupéré? Moi j'avais 20 000 avant. Je suis 50 000, ah, putain quand même. Ouais, moi aussi je suis à 30 000 alors qu'avant j'en avais beaucoup moins. Bah en fait avec 50 000 je peux quand même rien acheter en fait donc. Si je veux économiser pour le Kevlar Max. Ouais, tu vois, munitions plus, vous obtenez plus de munitions de 5,56 NATO donc c'est mon arme. Ouais. Bah pas, j'ai pas l'impression. Ça m'a pas marqué quoi. Je pense que ça va un peu à rien cette perk. Je sais pas. On est où là? On en est là. Merde, 2 heures, c'est quand? C'est pour 21 minutes. Bon, on peut quand même lancer la cinématique à mon avis. Ouais. On va voir un peu ce qui se passe. Faire un peu de teasing. Et voir si le chapitre 3 s'annonce un peu mieux que du Call of Duty. Même si ça finit quand même sur du drama. C'était swag. Un bon vieux drama simple. Et ouais. Allez hop. Ada la bleue, Ada bleue la pute. Ah ouais, quand même. Ah, quoi, on a pas quitté l'Europe de l'Est là? Ah si, quand même. 30 juin. Donc là, on est dans la bonne période alors. Allez, là, on est revenu du flashback, non? Ouais, ouais. Parce que regarde, maintenant, on a un shotgun du passé qu'on avait pas dans le présent. Je te jure. Vous vous souvenez? En même temps, t'as vu comme je me suis éclaté le crâne ou quoi, espèce d'enculé? Putain, t'imagines? On a dû subir tout l'épisode en Europe de l'Est, juste pour qu'il puisse récupérer la mémoire. On l'a vu plusieurs fois depuis le début des attentats. Tu sais que c'est à cause de toi qu'on fait ça? Parce que tu te bats comme un autre. Ça doit être ta faute finalement. Connard. Dites aux hommes de nous partir. Bien, chef. Donc pendant que l'autre se cramait, le mec s'est refait toute la mission avec les deux trucs et tout. Et j'ai toujours pas de balles, alors que finalement dans le futur du présent, du passé, j'en avais plein. Et tu vois, le shotgun a fait... Putain. Marquis. Il faut que tu viennes dans le futur. Mais donc, le passé voulait dire... Non, enfin... Tu vois, je veux dire... Tu vas encore victimiser, je sais que là. Attends, je vais te remettre ma chaufferette. Oh. Mais attends, il faut qu'on quitte l'épisode du coup. Il est même pas là, oh là là. Bon bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Un peu plus court que l'autre, hein, mais voilà. Ça fait un peu bien aussi. Si on le faisait plus long, c'était fini quoi. Et j'espère que vous allez continuer à suivre la série. Parce que j'y pétais, mais... C'est quoi, on a pas de blague, on les fait à la fin, quoi. Voilà. En fait, il faudrait qu'on le dise, que je mette des miniatures, comme quoi on fait les meilleures blagues à la fin. C'est pas un clickbait, tu vois. C'est vraiment ça. C'est genre, je mets un titre, et puis après, juste en parenthèse, je mets... Et les meilleures blagues sont à la fin. Chut. Ok. Donc... C'est tellement le YouTube. N'hésitez pas. Et ça pouce bleu, à partager, à commenter, à mettre en favori, à RT, à...
partager sur Facebook, montrer à votre famille, pas chier. Prends pas la grosse tête. Prends pas la grosse tête. Pourquoi génial. C'était si long? Super. Oh le bâtard, il est pas content là. Putain, alors, voilà. Et on se retrouve donc pour la suite, dans le chapitre 3 de Chris et Pierce. Peut-être que la love story va bientôt avancer. Allez, salut à tous. Salut, ouais.